On change de musique avec le groupe moulinois Banana Spleen qui jouera les prolongations du Téléthon demain à la Maison des Congrès de Clermont-Ferrand. Banana Spleen, un groupe qui prouve qu'en pays bourbonnais, on sait rigoler. Reportage, Evelyne Rambert. C'est très simple. En fait, c'était il y a... Non, je vais tout expliquer. Banana Spleen est né en 1978, il y a bien longtemps. D'ailleurs, nous en sommes les deux derniers représentants, une espèce en voie de disparition, pratiquement. Et pourquoi avoir baptisé ce groupe Banana Spleen? C'est ce qu'on se demande souvent. Ah ! Jean-Guy, guitariste, chanteur, profession, instituteur. On ne comprend pas toujours dans le grand public. Petit dans la vie, mais grand dans le cœur. Guy, bassiste, chanteur. Ah, 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 ah ! Profession infirmier. Bonjour. Es-tu pour Martin, qui habite près de chez nous? Ou un très très gros chien qui ne fait pas de bruit du tout? Olivier, clavier, objecteur de conscience. Thierry, saxophoniste, conseiller financier. Guy, batteur, chanteur, instituteur. Robert de Guise. Voilà, et après Hosanna, vous ne les retrouverez pas in excelsis, mais en fait à la Maison des Congrès de Clermont-Ferrand demain.